Chey manak mbagel sipi. Tenancier de motel là, on a la patronne, la doyenne, la tante, la méga, le patrimoine. 65 ans de métier. Et on fait grâce des 5 ans de stage qu'elle a eu à faire avant. Mamacita. Oui, il faut le dire avec le cœur. Parce que quand tu parles avec le cœur, tu peux pas te souvenir des années 20 ou 10 quand tu es décalé dans ton avis comme ça. Il n'y avait pas de talent à l'époque. Et puis après, Mamacita, elle avait le style d'attirer les gens n'importe qui, de mettre les gens en confiance, tu comprends? C'était une femme, elle aurait pu inscrire des encyclopédies, des gens comme les Spinoza, facilement. Mamacita! Et quand elle vient dans la réunion, d'abord elle vient en retard. Et quand elle vient, il y a un gars là, c'est son Atalakouman, mais lui, il n'est pas Atalakou, il n'est pas Atalalon, il est Atalanui. Je pense que c'est la nuit, là. Tu vois? Et le gars, quand il me dit Mama, les autres disent Sita! Que la colonisation est là. Maman! Tu tiens la réunion, hein? Hey, Maman Sita, la doyenne de tous les motels de l'Afrique de l'Ouest! Maman! La présidente la plus ancienne dans l'exercice de la nuit! Maman! Celle sans qui nous-mêmes on n'aurait même pas pu mettre une brique sur nos motels, Maman! Sita! Jay Manak Mbagel Sipi.